aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de voir mon coin coloriage. Ouh, il y a Fifi qui passe derrière le téléphone. Donc je vais vous montrer ça en détail. Voilà, donc le coloriage ne se passe qu'en bas, voilà, dans le salon. Voilà, il y a Fifi qui est derrière moi. Je ne fais le coloriage qu'en bas, ici, sur mon bureau qui est derrière moi. Donc tout mon matériel est là, à part deux, trois choses que j'avais tout au début, mais qui sont en haut et que dont je ne me sers plus. Mais sinon, tout est ici. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça le plus en détail possible. Voilà. Et je vais changer de visu. Hein? Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà mon coin coloriage. Voilà. Bon, vous avez Fifi avec. Hein? Comme d'habitude. Donc c'est juste un bureau, vous voyez, avec quatre tiroirs. Donc j'avais acheté chez Amazon. Je vous mettrai le lien du bureau si ça vous intéresse. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Moi, il me suffit pour l'instant. Donc, je vais vous montrer. Ah, il y a Fifi qui s'en va. Ça va être plus pratique. Allez, ouais, je vais avancer le téléphone. Hop. Voilà. Alors, en premier, alors j'ai d'abord mis des étagères, voyez, ici et ici. Les deux étagères noires sont les étagères que j'avais eues à Action. Voilà. Voilà, désolé, j'ai changé le... J'ai retourné mon téléphone parce que sinon je ne voyais pas l'écran, donc je ne voyais pas ce que je vous montrais. Donc je vous disais, l'étagère noire ici et celle qui est ici, c'est des étagères que j'avais eues chez Action. Voilà, bon, elles sont un peu petites, mais ça va, elles me vont pour l'instant. Ma lampe que j'ai ici, voilà. Alors, que je peux régler de plusieurs façons. Voilà, en mode nuit, voyez, mode café, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et après, je peux la régler, voyez. Donc, pour le coloriage, moi, je la mets au maximum. Elle me va bien. Et c'est pareil, elle se plie. Voilà, comme ceci. Et elle se plie comme ça, entièrement. Donc, bon, moi, je laisse toujours déplier. Hein. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle vient d'Amazon. Alors, ici, j'ai une première partie de mes livres. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai une première partie de mes livres. Donc, j'ai mon... Voilà, j'ai mon coloriage mystère Babies Disney, j'ai mon livre de, comment, voilà, oh, je ne trouve plus les, ça y est, ça commence à ne plus trouver les mots, vous avez compris, hein, voilà, celui-là, après j'ai, mon livre Fairyland, voilà. Celui-là, bon, j'ai déjà fait un coloriage dedans, hein, c'est Carlon Douglas. Voilà, c'est celui-là que j'avais fait. Donc, c'est comme des photos. Voilà. C'est du grayscale, mais du très grand grayscale.
Nuancier, voilà, j'ai retrouvé le mot de mon livre, le premier. Après, j'ai celui-ci, Fairy and Fantasy, de Molly Harrison. Vous allez peut-être voir les mots à l'envers, mais bon, je suis désolée. Mais sinon, j'ai pas le retour dans mon téléphone. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Un des derniers, Nice Little Toe. C'est le livre avec les petites souris. Vous voyez, c'était un des derniers. Donc, j'ai déjà fait un coloriage dedans. Alors, il est mon coloriage que j'ai déjà fait. Je ne sais plus. Non, j'ai pas encore fait. Si. Ah non, j'ai pas encore fait dans celui-là. Ben, ce sera le prochain. Prochain coloriage, ce sera là-dedans. Ici, Magic Cotton, un grayscale aussi, donc sur Halloween. Donc là, celui-là est de Alena Lazareva. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs coloriages dedans. Je vous les avais déjà montrés. Là, là, je viens de vous le montrer. Celui-là. Elegant Beauty. Donc, c'est Alena Lazareva aussi. Voilà. Donc, celui-là, pareil, j'en ai pour rappeler un des derniers que j'avais fait dans ce livre-là. Je vais en faire un autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Simpuck. Voilà. Donc c'est de Jet Summer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? Voilà. Ici. J'ai pas encore fait le fond à celui-là. Mon livre de dessin japonais. Alors, les dessins que j'ai déjà fait. Voilà, cela avait été fait à l'aquarelle, au crayon aquarelle. Là aussi, c'était à l'aquarelle. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait en celui-là. Oui. Et pour cette partie ici, le dernier. Donc, c'est un des derniers aussi que j'avais acheté. C'est celui sur les gnomes. Donc, celui-là. Et donc là, il y a déjà un dessin de fait. Il est où? Il est là. Pour l'instant, je n'ai qu'un dessin. Voilà. Donc ça, ce sont ceux-là. Il y a d'autres livres là-bas que je vais vous montrer. Alors, ensuite, là, j'ai un autre nuancier. Alors, c'est un nuancier technique. C'est-à-dire que là, je vais faire les combos. Par exemple, ici, j'ai un combo peau avec les Prismacolor, mon combo cheveux avec les Castel Art. Voilà, mes combos cheveux bleus. Voilà, combo les yeux bleus avec les Castel Art, etc. Voilà, dans celui-là, je ne mets que mes combos. Bon, je n'ai pas fini, hein. Je fais au fur et à mesure.
Donc je vous mettrai également en barre d'infos. Il est très bien celui-là pour justement pour ne pas perdre ses combos. Ensuite, bon là c'est tous des crayons mélangés. Hein. Là c'est mes petits-enfants. Ici, j'ai les gel pen d'action, la boîte comme ceci. Hein. Il y en a 48 dedans. Les derniers feutres à alcool d'action. Les derniers Fifi, il va falloir que tu bouges. Les derniers aquamarqueurs d'action, donc les feutres aquarelles. Et ça, c'est ceux qui étaient sortis juste avant. Les pochettes par 6. Là, en dessous, c'est ça avec le petit meuble. Fifi, faut que tu bouges. Faut que tu bouges. Faut que tu bouges. Oui, je sais, t'aimes pas le ventre. Alors, ensuite, là, j'ai toutes mes pochettes. Alors, j'en ai reçu une aujourd'hui. C'est celle-ci. C'est celle que je n'avais pas reçue au dernier haul que je vous avais fait sur Amazon. Il m'a fallu un mois pour la recevoir, celle-là. Voilà. Donc dedans, du coup, j'ai mis mes Bolligramos Faber-Castell. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai mis. Alors, comme je suis un petit poisson rouge, j'ai fait des petites étiquettes. Voilà. Pour mettre que j'ai passé à la plastifieuse. Pour mettre le nom des crayons qui sont dans les pochettes. Voilà. Donc la Polychromos. Je leur ai mis parce que je les avais déjà. Alors, je vais reculer pour que vous voyez mieux. Des petits porte-clés avec des petites babioles comme ça. Donc là, c'est un petit lapin avec des rubans. Donc là, hop, je avance. Ici, j'ai les Enacolors. Non, je vous les montre. C'est les aquarelles. Donc, pareil, je lui ai mis un petit gris-gris. Voilà. Donc, les Enacolors sont comme ceci. Donc, ceux-là, c'est pour les. Ils sont aquarellables. Là. C'est les derniers, les Castel Art. Alors pareil, j'aurais mis un petit gris. Alors là, c'était en fimo, j'avais fait moi. Monsieur Pain d'épices et puis une petite bûche de Noël. Donc j'ai marqué Castel Art. Bon là, c'est marqué sur la pochette, mais c'est pas grave. Donc là, on les a comme ça. Donc là, il y a une seule fermeture éclair. Donc là, je viens de vous les montrer. C'est les derniers, les Polychromos. Ici, dans celle-ci. Alors, comme il y avait des citrouilles, je lui ai mis un petit porte-clés en fimo que j'avais fait avec des citrouilles. Et donc, ceux-là, c'est les Prismacolor qui sont dedans. Voilà, donc là il y en a qui sont déjà pas mal usés, hein, vous voyez. On va le remettre. Celui-ci, c'est les Brutfühler. Oui,
Donc, il a eu droit à son petit lapin. Voilà. Donc, les brutes funaires commençaient à être connues, hein. Donc, voilà. Donc, quelques-uns commencent à être usés aussi. Et la dernière pochette, ce sont les feutres. Les Dual Brush Pen. Donc, lui, je n'ai pas mis encore de petits gris-gris. Mais donc, voilà les feutres. Voilà. Donc, je me sers pour le coloriage mystère, surtout. Donc, voilà mes pochettes. Avec leur petit gris-gris et leur nom. Et donc, celui-là, c'est le dernier que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, normalement, il m'en faudrait un. Mais comme c'est encore du castel art, je vais laisser dans la boîte. Alors ici on a l'étagère avec du matériel action que j'utilise pour ainsi dire pas. Il y a le pot ici, c'est avec les Metallic Brush Pen. Voilà. C'est très rare que je les utilise. Ici, j'ai tout mon. Alors, j'ai mes pinceaux aquarelles, mes pinceaux normaux. J'ai un pen, mais le pen, c'est pour la peinture. Une lime, c'est normal parce que j'ai mes ongles qui cassent très rapidement. Mon brush paillette, pinceau paillette. Voilà, que vous voyez que je me sers souvent dans mes coloriages pour mettre de la paillette dans mes dessins. Ici, mes Jelly Roll Pen blanc. Je suis en train de chercher que j'ai. Alors, là, j'ai encore un blanc. Ah, voilà, je cherchais mon autre blanc. Donc là, j'ai. Uniball Signo, c'est un gel pen aussi blanc, et là c'est le tout dernier que je m'étais acheté, c'est un Faber-Castell, j'ai pas encore utilisé pour l'instant. Voilà, c'est un brush aussi. Et dedans, j'ai aussi des pinceaux à réserve d'eau. J'ai ma gomme électrique. Voilà. Et bon, des crayons, des fluos, des choses comme ça. Là, des stylos gel pen, paillettes. C'est les derniers qu'Action avait sorti. Et ça, c'est les petites brosses qu'on trouve dans le maquillage. Voilà. Mais moi, je m'en sers pour avec la cire. Avec les encres. Ou les pastels. Voilà. Alors, ceux-là, je m'en sers pas du tout pour l'instant. C'est des nouveaux aussi qu'ils avaient sortis. C'est des brush marqueurs liquide ou alcoolor. Donc, c'est des brush marqueurs aquarellables que Action a sorti. Mais je pense pas m'en servir. J'y pense pas. Voilà. Il faut que j'y pense. Et ici, ce sont des brush pens. Plus fin, donc là les normaux. Voilà.
Et là, il me restait, j'avais pas assez dans le pot, donc j'ai mis le reste dans ce pot-là. Bon, là, en dessous, il n'y a rien, c'est ma rallonge électrique et mes carnets. Ici, le reste de mes livres. Alors, les manuels Colin, le numéro 1, coloriage Wild 1. Donc celui-là, vous avez déjà vu que j'ai fait des coloriages dedans. Hein. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Et j'en avais fait quelques-uns sur du papier à part. Voilà. Pareil, un des derniers aussi, de Clara Markova, Fairy Celebration. Donc celui-là, c'est pas sur Amazon, hein, on ne l'a que... Attendez ça, parce que sinon ça va tomber. On ne l'a que sur Etsy. Donc pour l'instant, je n'ai fait que la page de garde. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de dessin. Je vous les avais déjà présentés. Hein. J'essaierai de remettre pareil au-dessus de la vidéo les liens un peu de... Alors ça, c'est le tout dernier que j'ai acheté. Et dont je viens de terminer le tout premier dessin. Alors que je retrouve... Je ne retrouve pas, alors. Ah, le voilà. Et voilà, celui que je viens de terminer. J'ai terminé hier celui-là. Voilà, donc là, il n'y a que celui-là de fait pour l'instant dans ce livre. Et donc celui-là, c'est le... Bon, le... Hein? Bon. Anna Carlson. Voilà. Le titre, on m'a dit que ça voulait dire boîte à bijoux. Et un que j'ai depuis quelques mois, un Maria Troll, le Luna. Donc là, j'ai fait dans celui-là, alors, j'avais fait celui-là. Si j'en ai fait plusieurs, je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai fait plusieurs. Ah si, voilà. Celui-là. Mais c'est tout dans celui-là. Je n'en ai pas fait d'autres. Je vais enlever des petits cadeaux que j'avais eu. Avec le livre de Anna Carlson. Donc voilà pour les derniers livres. Et là, vous voyez, il me reste une boîte de crayons de couleur. Donc ça, c'est mes premiers Castel Art. Donc eux, ils sont encore dans la boîte. Mais ils vont rester en boîte. Voilà. Là, il y en a qui sont vraiment très très usés déjà. Alors voilà pour le dessus du bureau. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Alors maintenant, il reste. Alors je vais essayer de vous régler. Attendez, j'éteins une seconde et je vous règle le téléphone. Voilà. Mes tiroirs, en même temps, au passage, vous avez pas chat. Alors, dans le premier tiroir, alors je l'ai rangé, j'ai récupéré la boîte des Brut Funer pour faire une séparation dans mon tiroir. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger. Ça rentrait dans mon tiroir, du coup, j'ai gardé la boîte. Comme c'est une boîte en métal, ça me va très bien. Alors là, ce sont mes cotons et mon éponge pour faire
avec l'essence sans odeur. Donc, mon essence sans odeur de Le Frambourgeois. Pareil, je vais essayer de vous mettre tous les liens, si je n'en oublie pas. Mon drawing gum. Ma fameuse peinture or qui s'est retrouvée entièrement sur mon pantalon, enfin presque entièrement, puisqu'il me reste quelques gouttes. Il faut que je m'en recommande. Ça m'a lâché les mains et ben j'ai tout eu sur le pantalon. Je n'ai pas pu m'en servir. Ici, mes feutres Micron fins. Ils appellent ça un set manga, mais bon, moi je m'en sers pour mes dessins, hein, bien sûr. Donc il y a la taille 01, 05 et 08. Là, bon, ma colle. Mon stylo drawing gum que je ne. Voilà, je l'ai, mais je l'adore pas. Là, c'est un bout de crayon. Comment on appelle ça? Pour étaler mes couleurs. J'ai oublié le nom. Je vous le remets en bas si j'ai pas oublié. Je suis en train de chercher le nom, mais je ne le retrouve pas. Voilà. Je remets déjà un petit peu en place. Là, j'ai du scotch. Vous savez, c'est le scotch qu'on met pour les fenêtres, pour la peinture. Donc, je me sers pour mettre sur mes livres de coloriage pour ne pas déborder sur une deuxième page ou quoi. Mes gommes. Ma réserve de gomme, ici, pour ma gomme électrique. J'en ai encore là. J'ai une réserve aussi de pinceaux à réserve d'eau. Ah, le petit bout de crayon, j'ai retrouvé le nom. Blender. Voilà. Là, justement, j'ai mon blender. J'en ai un dans le pot de crayon. Donc, ça, c'est le deuxième. Le blender Prismacolor. Des pinceaux. Ça, c'est tout mes, pour mon téléphone. Ça, c'est des papiers, des étiquettes. C'est pas grave, c'est rien. Alors, ça, ce sont des choses que j'ai achetées. Il y a encore la date, en 2017. Je ne m'en suis jamais servi. Donc, je les ai descendus de mon atelier. Il faut que je vois. Je ne sais plus à quoi ça sert. Donc, il faut que je vois. J'avais acheté ça et il n'y a plus son nom dessus. Non, il n'y a pas son nom. Là, c'est marqué Fabrica Décor. Mais c'est pas son nom. Elle a un autre nom. J'avais acheté ça sur une fille qui vend beaucoup de choses pour le scrap, tout ça, et je ne m'en suis jamais servi. Ça, c'est la Magic Paint, Shimmer Paint. Voilà, je ne me suis jamais servi de ça, même jamais ouvert, donc je ne sais pas, je ne sais plus à quoi ça sert. Donc, il faut que j'essaye sur un brouillon et puis voir. Là, c'est des petites éponges pour se maquiller. Je ne sais plus comment on appelle ça non plus. Mais je veux m'en servir pour faire des effets sur un fond de dessin. Donc, j'en ai descendu un. Voilà. Et ça, c'est mes encres. Les Distress Inks. Voilà, pour faire des fonds. Voilà, le premier tiroir. Sur le deuxième, j'ai encore des gel pen d'action, comme ça. Encore des gel pen d'action. Là, les feutres fins Zenacolor. Comme ceci. Pareil, je pense pas souvent m'en servir, mais bon.
là, dans cette trousse, c'est les anciens brush pen. Donc, c'est ceux qui sont sortis avant ceux que je vous ai montrés qui étaient dans le pot. Voilà. Et j'ai des fluos derrière. Ici, c'était des feutres que j'ai pas acheté il n'y a pas longtemps. Les Twin Marker Dot d'action. On fait des points avec. Voilà. Ou des fines lignes de l'autre côté. Pareil, ils sont dans la trousse. Ils sont bien, donc chauds. Ici, bon, là, il y a de tout. J'ai des crayons, des stylos, voilà, c'est une petite réserve. Alors ici, je n'ai pas encore essayé, c'est une bombe fixatif pour les pastels, quand vous faites de la pastel, du fusain, voilà. Donc ça, je vous ferai un tuto. Je vais peut-être baisser un petit peu le téléphone. Ah. Hop. Voilà, je pense que vous voyez. Ici, j'ai mes crayons polycolores. C'est spécial portrait. C'est cela que j'utilise le plus possible pour faire mes portraits. D'ailleurs, il y en a un qui est... Ça, c'est les petits post-it que je garde pour quand je fais les vidéos. Comme ça, je vous mets les post-it. Voilà. Et on voit lesquels j'utilise le plus. Alors, ça, c'est... Bon, ça, quand mes petits-enfants viennent, c'est surtout eux qui s'en servent. C'est les crayons de couleur Action. J'ai aussi là-bas, derrière, la mallette d'Action. Alors ça, je sais que je dois vous faire une vidéo. On m'avait demandé le tuto. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Ce sont les petits pastels de Faber-Castell. D'ailleurs, je ne les ai pas encore utilisés, hein. Voilà, il faut d'abord que je fasse un essai avant de vous faire le tuto, parce que ça, j'en ai jamais utilisé. Ça, c'est des crayons, une boîte de crayons gris qui vont en Action, vendés comme ça. Et là, pareil, non, là, c'est des fusains. C'est les fusains que Action vend. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. C'est des crayons fusains. Là, il en manque deux parce qu'ils sont dans ma trousse. Et maintenant, j'arrive pas à le refermer. Ouh, gagné. Ah, ça y est. Alors... Ici, c'est mon nouveau papier que j'utilise pour imprimer des dessins. Voilà, que je fais l'imprimante. Par exemple, mes dessins que je fais, les défis que je fais sur mon groupe de coloriage sur Facebook. Voilà, donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Hein, c'est du papier Clairefontaine. Il est super bien pour imprimer des dessins. Bon, ça, c'est du papier brouillon. Là, c'est mon petit classeur pour y mettre les dessins que j'imprime quand je les ai finis. Donc ça, c'est des dessins que vous aviez vus, hein, certainement. Là. Donc, je les garde dans mes dessins.
Voilà, il n'y en a plus. Alors, celui-là de livre me sert à faire des essais. Voilà, donc c'est un livre de coloriage, mais je m'en sers pour de brouillon. Voilà, je fais du brouillon dessus pour faire des essais de coloriage, de crayon, de pastel, de, voilà. Donc ça, c'est mon livre de coloriage de brouillon. Le papier carbone de l'Action. Ça, c'est une pochette de papier millimétré, voilà. Voilà, pour ce tiroir. Je remets bien tout dans l'ordre. Je suis pas maniaque, mais bon. Voilà. Et le dernier, ici, c'est consacré à l'aquarelle et au pastel. Donc, mon dernier achat aussi, les néocolores, les Carondash néocolores. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous les montre. Là, ce sont des bâtons, hein, comme ça, que l'on travaille à l'eau. Ici, c'est ma palette de pastel tendre, donc j'en ai 72, c'est des mini, hein, c'est des demi-pastels, mais ça me suffit. Alors, hop. Comme ceci. Donc là j'ai déjà une belle palette de couleurs, hein, c'est bon pour moi. Donc c'est Faber-Castell. Hein. Hop. Allez. Ici, ma boîte d'aquarelle, c'est ma toute première boîte d'aquarelle, donc ça fait un moment que je l'ai. Les Aquafine d'Eller Rowen. Alors elle n'est plus comme ça, hein, sur Amazon. Ils ont changé le modèle. Mais voilà. Et là, je pense que je vais m'en racheter. J'ai vu qu'aujourd'hui, sur une vidéo qu'Action a sorti une grande palette. Donc, je vais aller voir ce qu'elle vaut, ce qu'elle, comment elle est. Bon, ça vaut pas la les palettes de marque, hein, bien sûr. Je verrai ce que ça donne. Si je vois que ça vaut le coup, je vous en parlerai. Si je vois que ça vaut pas le coup, j'achèterai pas. Ça, c'est pareil, c'est une palette... c'est vieux, ça, je l'ai. Mais c'est la marque... C'est d'Eller Rowen, donc c'est la même marque que mes pastels ici. Voilà. Donc, mais là, ce ne sont pas des... Ah, si, des tendres. Ce sont des tendres aussi. Mais ça fait un moment que je les ai. Ça, c'est la palette d'Action, que je n'ai toujours pas utilisée. Même essayé, hein. Je n'ai même pas encore essayé. Je vous l'avais présenté, mais je ne l'ai toujours pas essayé. Voilà. Et là,
deux palettes de chez Action, une que je n'ai pas encore, que je n'ai jamais utilisée, que vous devez peut-être connaître, la Shiny Metallic Watercolor Paint. Donc c'est du métallique, voilà, comme son nom l'indique. Et celle-ci, vous devez me voir de temps en temps l'utiliser pour faire des fonds. Donc c'est pareil, là c'est du, comment ils disent, nacré, voilà, c'est du nacré. Alors, j'ai mes cotons démaquillants, mais ça c'est pour l'essence et le pastel. Ma règle, alors ça c'est ma règle de... je ne sais plus, enfin, je vais la retrouver. Ma palette Caran d'Ache que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc qui est lisse d'un côté et grattante de l'autre. Voilà. Donc ça, elle est superbe justement pour les bâtons, les néocolores. Voilà, c'était pour les néocolores que j'avais acheté. Et aussi ben, pour les aquarelles, je peux m'en servir. Voilà. Et puis bon, ma vieille palette. Donc là, le bureau, c'est tout. Donc voilà pour le bureau. Voilà, après il me reste ça ici, un petit peu. Bon là j'ai ma palette de crayons d'Action. Là c'est une boîte vide. Ça c'est la broderie. Là c'est tout ce qui est broderie qu'il y a dedans. Donc ça on en reparlera. Ici, oula. C'est ma revue de jardinage. ici, je dois avoir, ben là, je dois avoir des choses. C'est un peu fourre-tout aussi. Oui, j'ai mes blocs de cahiers de dessin. Voilà. Bon là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hop. Voilà. Mais ça ici, il faut que je trie. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, j'ai le couvercle de mon brut funère. là, le nuancier des Prismacolor, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ah, ça, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est comme du buvard. Je m'en sers pour pas salir les coloriages. Voilà. Vous verrez de temps en temps comment je m'en sers. Voilà. C'est du buvard, mais c'est très fin. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Et je m'en sers pour ne pas salir mes coloriages quand je suis en train de les faire. Là, c'est encore du carbone. Et, ah, c'est ça, mais je ne retrouve pas le nom, c'est fort ça. Voilà. Du Killing, voilà. Et là, j'ai mon kit de Killing, dont je dois vous faire la vidéo également. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Ici. Voilà. Donc, mais ici, bon, c'est vrai qu'il faut que je trie, là. Et là, j'ai les cartes-stock aussi. Avant d'acheter le papier Clairefontaine, j'imprimais sur le cartes-stock, mais c'était pas top top. Voilà. Et après... il y a quelques crayons, mais là, c'est ceux à chouchou. Je vous les montre en vitesse.
Là, c'est le bureau à chouchou. Donc, pareil, lui, bon, il a un petit meuble là-bas, vous voyez, ici, où il y a tous ses livres de coloriage et ses crayons aussi, ses feutres et tout. Mais il a mis le reste là. Ses feutres aquarellables d'action. Là, c'est gel pen, c'est Faber-Castell. Et là, c'est ses crayons de couleur. Donc, il a les Artina, c'est les derniers que je lui avais achetés. Et il a les Castellart. Et là, il a les fibres à couleur, feutres fibres à couleur. Et il a aussi. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Moi, je l'ai aussi sur mon étagère. Le taille-crayon. Comme ça, le DAL 133, on en a un chacun. Et lui, après, alors je vais essayer de vous montrer. Hop. Bon, voilà. Mais alors, j'ai pas plié, mais voilà. Et lui, il a encore tout ça. Là, je monte pas en détail hein, parce que c'est le sien de matériel. Voilà. Et tous ces livres. Voilà. Donc voilà, oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, moi aussi, j'avais aussi donc le tacrayon DAL 133. Je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse de comment vous en servir et comment le nettoyer. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oh là, ça y est, je suis toute décoiffée. ben, j'espère que ça vous a plu, ce petit home tour de mon un coloriage. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais essayer de vous mettre au maximum tous les liens en barre d'infos de tout ce que je vous ai montré. J'espère ne pas en oublier. Si jamais j'en oublie, ben, n'hésitez pas à me le demander. Je vous remettrai les liens. Là, non, je pense que en les ayant devant moi, j'espère ne pas les oublier. Vous pouvez me les demander en commentaire. Je vous les donnerai avec grand plaisir. Voilà. Donc, oui, non, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Et si vous vous demandez ce que c'est cette grande lampe-là, ici, je pense que vous la voyez, c'est pour moi broder. Voilà. Bon, ben là, c'est sûr, je crois qu'on a fait le tour. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous!